Benjamin, bienvenue à vous. Vous êtes vous aussi missionnaire de la miséricorde. Vous êtes séminariste. Vous avez bien voulu participer au Fire Spirit. Alors, d'entrée de jeu, une question. Quelles sont les techniques d'approche pour être missionnaire, pour parler de Dieu aux autres? Bonjour. Donc, la première technique, c'est déjà d'être vous-même. Le Seigneur vous enverra les bonnes personnes, adaptées à votre situation, à ce que vous êtes vraiment. Donc, si vous jouez un rôle, ça peut poser problème. Ensuite, une technique qui peut être efficace, c'est déjà d'être souriant. Les gens aiment bien les gens souriants, finalement. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est s'intéresser à eux, hein, en leur posant quelques questions du type « Est-ce que vous êtes touriste ?» Si vous êtes sur la Côte d'Azur, il n'y a que ça, finalement. Donc là, c'est une approche qui marche relativement bien, c'est testé. Ensuite, vous pouvez essayer de poser des questions assez cash, comme typiquement « Est-ce que vous pensez à Dieu ?» C'est des questions qui peuvent interpeller. Ou bien encore, si vous avez des munitions, donc des médailles, ou même un flyer, ça peut être éventuellement quelque chose de facile à donner. Voilà. Les gens vont être touchés et la plupart vont accepter. Souvent, j'ai remarqué, quand on est à deux, on a l'impression qu'on va essayer de convertir la personne avec notre propre topo. Alors on est là, tout content, la personne nous écoute. Et on voit la petite qui est avec nous, qui donne une médaille de la Sainte Vierge. Et là, la personne, elle est KO. Elle est là, limite au bord des pleurs, parce que pour elle, ça veut dire, ça lui rappelle la grand-mère qui lui a parlé de la Sainte Vierge et tout ça. Et donc tout ça, ça veut dire quelque chose pour elle. Et elle est touchée. La technique la plus efficace, c'est pas forcément celle qu'on croit. Et ça peut venir de très petites choses. En général, les gens ne sont pas vraiment écoutés dans la vie. Les conjoints n'écoutent même pas leur conjointe. Donc les psys, ça coûte très cher. Donc déjà, le fait d'écouter la personne 10 minutes, c'est quelque chose d'incroyable pour elle. Elle va s'en souvenir longtemps. Et elle va être beaucoup plus réceptive à ce que vous allez lui dire. Jésus a dit « Je suis venu allumer un feu sur la terre ». Alors fonce ! Feu sur le monde !